cet avantage caché des cartes de crédit pour les entreprises. Oui, les cartes de crédit sont en deux volets. Il y a les cartes de crédit personnelles et les cartes de crédit en entreprise. Nous allons plonger sans plus attendre sur ce sujet car je souhaite naviguer dans le monde des cartes de crédit américaines avec toi afin que cela n'ait plus aucun secret pour toi. Et cela même si tu n'es pas résident américain. Souvent méconnu des cartes de crédit américaines. Reste jusqu'à la fin car je te réserve une surprise. Le premier gros avantage, et pas des moindres, c'est que ces cartes vous permettent d'accéder à du crédit même si vous n'avez pas encore d'historique de crédit. Et cela, c'est rare, c'est très rare. Il n'y a qu'aux États-Unis que c'est possible. Et je te parle de grosses lignes de crédit. Cela ouvre la porte à de nouvelles opportunités financières. Si tu souhaites investir ou commencer un nouveau projet, je pense que c'est la clé. Parce que ça a été la clé pour moi. J'ai utilisé cet outil parce que oui, l'argent, c'est un outil. J'ai utilisé cet outil pour pouvoir développer des entreprises que j'ai commencées. Les cartes de crédit américaines offrent des bénéfices exclusifs, comme des remises en espèces, oui, du cashback, des miles pour voyager et bien plus encore. On pourrait aller vers des matchs de basket, des concerts. Imaginez obtenir des réductions sur vos voyages, juste en utilisant une carte de crédit. L'été passé, j'ai voyagé avec toute ma famille. Et normalement, en première classe, le billet coûtait déjà 3000 euros. Mais au final, pour toute la famille, j'ai même pas eu à sortir plus de 1000 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des miles que j'ai eu à accumuler durant les 6 premiers mois de l'année. Donc oui, ces miles-là vont te permettre de pouvoir économiser beaucoup d'argent. En utilisant judicieusement vos cartes, vous pourrez améliorer votre score de crédit, ce qui facilitera l'accès à d'autres types de financement à l'avenir. Parce que oui, vous allez commencer avec des cartes de crédit, mais après vous allez passer avec des emprunts personnels. Pensez-y comme un investissement dans votre avenir financier. Utiliser une carte de crédit américaine vous permettra de séparer vos dépenses personnelles et des dépenses professionnelles. Cela simplifie votre comptabilité et rend la déclaration de vos impôts beaucoup plus facile. Les limites de crédit sont généralement plus élevées pour les cartes de crédit d'entreprise, comme je vous disais précédemment. Cela signifie que vous pouvez gérer de plus grosses dépenses sans stress. Ce qui est idéal pour les entrepreneurs et les investisseurs. Je prends par exemple mon cas. Quand j'ai commencé avec American Express, la limite maximum que j'avais eue était de 12 000 en particulier. Mais aujourd'hui en entreprise, j'ai 7 fois ça sur seulement une seule carte. Et l'avantage avec American Express, ils ont plusieurs produits qui te permettent de pouvoir avoir aussi plusieurs cartes. Elle vous permet de suivre vos dépenses en temps réel et d'avoir un aperçu clair de votre santé financière. Cela peut vraiment faire la différence dans la gestion de votre budget. Vous savez, lorsque vous obtenez de nouvelles cartes, elles viennent avec des miles, du cashback et certaines de ces cartes offrent des bonus très attractifs qui peuvent représenter des milliers de dollars. Ne manquez surtout pas ces opportunités pour maximiser vos gains dès le départ. Voilà, ce sont 7 avantages cachés des cartes de crédit américaines pour les non-résidents. Pour aller plus loin, téléchargez mon e-book gratuit sur les cartes de crédit américaines où je vous partage encore plus d'astuces et des stratégies pour optimiser votre utilisation de vos cartes. Le lien se trouve en bas dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne. Vivez nos survivre, soyons prospères.